Et c'est un joueur qui avait deux sélections en équipe d'Algérie, qui n'a jamais joué en équipe d'Algérie, parce que ouais, Ismaël Benacer, c'est le... Mais Ismaël Benacer, moi, quand je suis arrivé, c'était un joueur presque de l'équipe B. Donc, ouais, Djibna, il t'a fait quoi avec? Je peux ramener la terre entière et pour en faire quoi? Moi, je suis arrivé, personne ne citait son nom. On a commencé à parler de lui quand il a fait sa Coupe d'Afrique. Ça, il faut des fois rappeler les choses. Donc, Ismaël Benacer, il y avait un Ismaël Benacer avant la Coupe d'Afrique, je pense, en termes de valeur marchande. Et un Ismaël Benacer après la Coupe d'Afrique. Et il est passé, et il a sauté un truc.